Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Guinée au sang, ses hôpitaux, Taïmata, Chinotouéné. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums du gore. France, contactez-nous au plus 33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, deuxième partie, Critique Info. Merci de suivre cette émission de partout où vous êtes, au Canada, en France, en Espagne, en Angleterre, partout où vous nous suivez, moi je vous dis merci beaucoup. Merci de me faire des compliments, merci de m'aider en même temps. Nous rappelons que la semaine prochaine, toutes les émissions vont être tournées à l'Équateur. Je parle des Critiques Info bien évidemment, et des face-à-face seront tournées donc à l'Équateur. Nous avons une très grande conférence que vous allez suivre, en direct. Et donc, vous allez en Bandaka. Il y aura tout ça, on a tenu sur ça, on a moyen. Pour que tout le monde ait la bande de côté, tout ça sera toujours. Tout le système de la bande de côté, tout ça sera toujours. Et après Mbandaka, le programme est allé pendant Kisangani, ou bien entre Kisangani et Nabandundu. On est en train de voir qu'est-ce qu'on va faire entre les deux. Mais en tout cas, Bosso Mbabiso, tout le monde est plutôt aidé à tout le monde. Tout ça sera la capacité. Alors, l'actualité tourne autour de l'alternance. Oui, l'alternance. 3 ans. C'est la journée de l'alternance aujourd'hui, l'alternance pacifique. Alors, Madame Olive Lembe dit, l'alternance démocratique est un bébé que nous avons conçu et avec joie, nous lui avons donné vie. Comme des parents attentionnés, nous veillerons à ce que ce bébé grandisse normalement et qu'il reconnaisse ses vrais parents. Bon, là, Madame est dans une comparaison, on va dire dans une figure de style. Mais cette figure de style n'a vraiment pas tout son sens parce que, bon, ça c'est vrai, je n'entre pas dans le débat et pas dans les contenus à propos, mais seulement, l'alternance, les parents de l'alternance ne sont pas forcément ceux qui étaient au pouvoir. Les parents de l'alternance, c'est la dynamique de tout un peuple. Les parents de l'alternance, bien, si on parle des parents de l'alternance, soyons aussi fiers de parler des martyrs de l'alternance. Moi, je préfère parler des martyrs de l'alternance que des parents de l'alternance. Parmi les martyrs de l'indépendance, je suis en train de penser à Eric Moloko. Parmi les victimes de l'alternance, je suis en train de parler de Thérèse Kapangala. Je parlerai aussi de Rossi Chimanga. Voici, en quelques noms, si on va dire ça, les véritables martyrs de l'alternance. Sans eux, l'alternance n'allait pas avoir lieu. On n'allait pas parler de l'alternance parce que la volonté manifeste de rester au pouvoir était là. Sinon, 2 ans ne s'expliquent pas. Mais si on veut être... Ça, c'est quand on veut être rigoureux avec l'histoire. Mais quand on veut être souple avec l'histoire, on va reconnaître quand même, c'est vrai, bon, vous avez fait 18 ans au pouvoir et vous êtes parti, bon, on comprend. Mais en réalité, là, il ne faut pas s'attribuer ce titre de dire que l'alternance... un peu comme c'était un cadeau. Ah non, c'est jamais, ça n'a jamais été un cadeau. Et ce n'est pas un cadeau, pas du tout. Pas du tout, ce n'est pas un cadeau. Nous, au moins, on l'a dit avant, on le dit maintenant et on le dira toujours. Et nous allons écrire des livres pour rétablir l'histoire. Si les historiens d'aujourd'hui sont corrompus, ils écrivent autre chose. On écrira et on rétablira l'histoire. De toutes les façons, l'histoire n'a même pas besoin d'être écrite. L'histoire se communique, elle se transmet. Et ses vérités sont intemporelles. Elle finit toujours par rétablir les choses dans la place d'en haut. Là, on n'a même pas, on a même pas un problème de ce côté-là. Et on va dire encore autre chose dans l'actualité. Selon Willy Kitobo, ancien ministre des Mines, la décision du président de la République d'aligner le cuivre sur la liste des substances stratégiques en RDC est une erreur stratégique qui coûtera du temps
et de l'argent au pays dans les discussions avec les miniers. Oui, mais monsieur l'ancien ministre des Mines, à votre époque, qu'avez-vous proposé comme solution? Et dans cette situation, qu'est-ce que vous dites de ça? Qu'est-ce que vous proposez? Parce que la question, la gouvernance minière dans ce pays n'a jamais été une question de fierté. Mais je ne comprends pas comment les gens fonctionnent. Nous avons la mauvaise gouvernance minière je veux dire, de tous les pays du monde. Parce que ce que nous avons, les autres pays ont aussi. Ne pensons pas que nous sommes les seuls à avoir. Non, non, le cuivre que nous avons, Chili a le cuivre. Le cobalt que nous avons, l'Australie en a aussi. Le pétrole que nous avons, le Qatar en a aussi. Donc, à un moment donné, moi, je me dis, mais comment les gens peuvent aujourd'hui? C'est un peu comme Mugabe disait, une fois que vous êtes au pouvoir, vous n'avez plus d'idées. Une fois que vous sortez du pouvoir, tout de suite, les idées viennent. Vous étiez ministre, qu'avez-vous fait? Qu'est-ce qu'on va raconter à nos enfants de vous? Quelles sont vos marques indélébiles que vous avez laissées? Le code minier dont vous vantez tout le jour ici, qu'avez-vous fait de ça? À l'époque, quelles sont les remarques que vous avez formulées à l'endroit de Kabila? Qu'est-ce que vous avez dit, vous, personnellement? Qu'est-ce que vous avez dit? C'est triste quand même. Bon, bon, je comprends, hein. Après, nous, on est habitués comme ça. Quand on dit des choses, on n'avance pas des arguments, on est habitués. Bon, je vais aller vite parce qu'il y a des choses à dire tout à l'heure. Les Kimbanguistes en colère après l'assassinat de l'un des leurs par un élément de la garde républicaine. On manifestait dimanche devant le Palais de la Nation pour réclamer justice contre un membre de la garde républicaine qui a tiré et tué le chauffeur d'un voisin du Palais de la Nation, membre de la famille Kimbangu. Selon le membre de cette famille, le militaire ivre est retourné tranquillement au palais sans être inquiété. Il faut suivre ce dossier de près pour que les responsabilités soient véritablement établies. Le gouvernement affirme qu'après plus de 3 mois, les lancements du projet Kinshasa Trou Zéro, le Conseil des ministres juge sa mise en œuvre satisfaisante. Il évolue en conformité avec la disposition des ressources financières. Ce n'est pas ça, il faut dire au gouvernement que ce n'est pas vrai. En tout cas, si vous arrivez à vous satisfaire de travaux 3 mois après, il y a mise en place, il y a zéro trou, alors ça prouve à suffisance comment et pourquoi vous n'évoluez pas, pourquoi vous n'avancez pas. Ce boulot, ce travail-là est mal fait, il est mal conçu. Le programme Zéro Trou est un échec avant même qu'il ne commence. C'est mal conçu, mal préparé, mal orienté, mal dirigé et mal appliqué. Et on peut dire ce que l'on veut. Rendez-vous dans une année ou dans 2 ans. Non seulement qu'il y a aussi la thé, mais place est aussi là et que Béba les sous. Parce que nous n'arrivons pas à être sérieux avec nous-mêmes. Et quand un gouvernement s'est satisfait de sa médiocrité, moi, ça m'inquiète un peu. Ça m'inquiète. J'ai comme l'impression que les gens n'ont pas l'art de l'excellence. Ils n'ont pas la culture de l'excellence. On ne peut pas se féliciter d'un travail. Kinshasa, zéro trou. Oh, quand vous marchez, vous sentez que vous marchez. Et donc, il fait matela, et vous nous dites que vous êtes satisfait par rapport à ça? Mais apprenez à respecter un peuple quand même, non? Moi, je soutiens parfois les actions de ce gouvernement, mais à un moment donné, oh non, quand même, pas ça. Pas ça, vous ne sortez pas des phrases pareilles. Au lieu de dire que vous êtes satisfait, dites plutôt que vous êtes indigné, parce que ce boulot-là n'est pas fait correctement. Quel est la Willerie au talent, non? Quel est la Willerie au moment où on a montré la Willerie, au temps où on a que Moussa a zéro tour de Angouana. Et puis on ne nous montre même pas là où c'est zéro tour de Salem. Et donc c'est la place Nine. Non, c'est triste quand même. Hein? Alors, il y a Adolphe Mosuto, la randonnée diplomatique à l'Union européenne, dérange le Conseil européen, mis en alerte. Et on a encore le vrai modérateur, c'était la prospérité, les vrais modérateurs, Kabound tente désespérément de rencontrer Tshisekedi pressé de partout. Les gens ne cessent de me demander d'abandonner mon point de vue sur cette question de Kabound. J'ai longtemps résisté, j'ai longtemps hésité d'en parler, mais je crois que je vais vous donner mon point de vue. Enfin, je vais vous donner mon point de vue.
Voici mon point de vue sur cette question. En tout cas, ce que je vais dire tout à l'heure, c'est mon point de vue et je veux que vous puissiez le retenir comme mon point de vue. Et ce n'est qu'un point de vue. Ce n'est pas la parole d'évangélité, mais mon point de vue. Entre Félix Tshisekedi et M. Kaboun, qui a tort, qui a raison, je vous dis, celui qui a tort, celui qui a raison. Je ne vous dirai rien, parce que je n'ai pas besoin de dire quelque chose là-dedans. Ce sont les affaires des gens, ça ne me concerne pas et ça ne pourra jamais me concerner. Donc, ceux qui attendent mon point de vue, vous attendrez longtemps. Je ne le donnerai pas. Quand il s'agira de l'Assemblée nationale, je donnerai mon point de vue. Quand il s'agira de la présidence de la République, je donnerai mon point de vue. Mais tant qu'il s'agira des individus, ah, je ne donnerai pas mon point de vue. Parce que cette vie nous a montré des choses. Donc, je ne peux pas. Vous allez attendre très longtemps, en tout cas. Les détracteurs politiques en veulent à Samalou Kondé. Affaire Kaboun, le dilemme de Kabuya. Kaboun, le dernier mot à Fatshi, une délégation d'étudiants reçue par le président de la République. Mesdames et messieurs, on était en train de dire tout au long de l'émission Labusso, Thomane Koloba, que 3 ans après, qu'est-ce que Fatshi peut faire pour réussir à sortir de la situation tout ça. Moi, je donne des points de vue. D'abord, il faut comprendre une chose, c'est que le pouvoir est un art et il lui faut des artistes. Un bon casting pour le président de la République, Naminitoyo, va corriger beaucoup de choses. Il faut que le président de la République nomme un autre gouvernement avec un autre premier ministre ou garder ce premier ministre, idéalement un autre premier ministre, ou garder celui-ci, c'est lui qui voit, mais que la structure du gouvernement change. Que la structure du gouvernement change. Pourquoi ? Des ministères de propagande. Vous savez ce que ça veut dire des ministères de propagande ? Il y a des ministères qui ont un impact direct sur la propagande. C'est le ministère de l'enseignement, c'est le ministère de la justice, c'est le ministère... Quand je dis enseignement, ça veut dire tous les deux, hein. Enseignement et tout. C'est le ministère de l'économie, c'est le ministère de l'enseignement, c'est le ministère de la justice, c'est le ministère de la santé, c'est le ministère de transport, c'est le ministère des infrastructures. Alors, lorsque vous avez un changement profond de ce ministère, l'impact est tout de suite dans la société, dans la population. Et ça, le chef de l'État, Nabari Maniement, et vous allez bien, ce qui est président à Tali Kotewana, un véritable changement. Je ne parle pas d'une permutation que vous allez qui na santé ou comme il y a. Non, un véritable changement. Au moment où ce qui va ministère va changer, changer structure, non. Ministère enseignement, ministère il y a santé, ministère il y a économie, ministère il y a infrastructure, ministère il y a transport, ministère il y a communication, ministère il y a défense, na intérieur. Bon, c'est vrai qu'il y a tout la priorité de mon côté, mais impact direct dans la société, et il y a du ministère de la Défense, il y a un est de la République. Donc, si nous avons des véritables résultats dans l'Est de la République, le chef de l'État est élu là-bas de façon inestimable. Mais attention. Attention, parce que avec qui vous jouez ce jeu, Ezali, ministère et enseignement, parce que ce sont les enfants qui vont aller à l'école. Un parent qui a vu tous ses enfants à l'école, gratuite, et dans une école bien, une bonne école, moi, on a une classe à bien, alors on a bien, il vote sans réfléchir. Il vote sans réfléchir. Lorsque la santé est garantie, les gens votent sans réfléchir. Lorsque les routes sont construites dans ma condition, les gens votent sans problème. Donc, ceux qui vont être un véritable bagarreur, un premier ministre qui a vraiment de la maîtrise du dossier, et vous avez des hommes à côté qui ont aussi la maîtrise du dossier, mais c'est fini. Parce que ici, le but, c'est d'avoir des gens qui connaissent, des gens qui peuvent aller de l'avant. Pas un premier ministre qu'on va commencer à bouder par des ministres, non. Non plus pas des ministres qui vont se faire des petits messieurs de certains présidents ou de certains présidents du parti, non. Mais des hommes et des femmes qui comprendront qu'il faut qu'on pousse la chose. Il faut que nous mettions les bousso. Bah, toi, tu as qu'on changer le système. Soit, ça lui à côté du gouvernement. Par exemple, le mois de mars, tout change. Juin, février, juillet, août, septembre, tu te comprends, 2023, c'est fini. Les choses sont faites. Mais s'il faut que le chef de l'État fasse des choses,
On a 2022, c'est le moment de le faire. Parce que ce sera celle-là où on a 2023 et vous allez être suspicieux. Et c'est très compliqué. Alors, voici ma proposition. Je suis dans la logique de 11 provinces. Je ne suis pas dans les 12, hein. Je ne suis pas dans les 26, non. Je suis dans les 11 provinces. Nous avons l'Équateur, le Bandundu, le de Kivu, le de Kasai, le Congo central, Kinshasa, nous avons le Katanga, nous avons la province orientale et nous avons le Maniema. Comment le chef peut-il gagner dans ma côté Wana s'il veut bien évidemment gagner les élections? Je peux vous garantir que c'est très facile. Ce n'est pas difficile. Il suffit juste de saisir la chose, la place Nango. Il faut aller dans le problème de ces provinces-là. On commence par le Bandundu. Le Bandundu, le chef de l'État, Soka Lingi a gagné na Bandundu. Et daté que, non, je serai le président Mbosso veut accompagner le président de la République ou tel parti politique, tel regroupement. Tel... Non, ça, ce sont des histoires où il y a tout le monde qui a bon côté. Non, ça ne se passe pas comme ça. En réalité, les gens vont raconter, oh, je suis populaire là-bas, c'est mon coin. Ah, c'est ton coin, mais qu'est-ce que tu as fait pour ton coin? Il faut aller dans les choses aussi simples que ça. Est-ce que vous savez que jusqu'à aujourd'hui, Bandundu, il y a un problème de route, la route Mongata. Ce qui est le chef de l'État, bon, programme, parce qu'il faut maintenant 2022, 2023 est comment compliqué, 2023, maintenant 2022, on dit nous commençons la route, il y a Mongata. Nous appelons l'ingénieur Bazali. Ou Bazali qui triomphale Bazali. Ou Bazali qui est le poids lourd Bazali. Nous les appelons, nous disons c'est 400 km. Or, si c'est 400 km, faites même 200, faites même 100 km. Même l'intention, on dit que c'est non, tu m'as dit 10 km, 30 km, 40 km. C'est toute la population du Bandundu qui vous accueille. Parce que Bandundu, on a deux parties, nord, la sud, Nango. Si vous arrivez juste à faire ça, vous avez réglé la question. Les gens du Bandundu vont être d'accord avec vous parce qu'eux ont un problème de route. En dehors d'abord du problème d'électricité, en dehors des autres problèmes. Mais la route n'est pas la Bandundu et que régler les Bandundu ont le problème déjà. Et ça peut déjà faire avancer les choses. La route, il y a Mongata. Si on se met aujourd'hui à le faire, c'est fini. Vous allez dire même après, on va dire, on va aller progressivement. Mais on commence d'abord par la route. Ça règle la question. Côté à Kikuiti, Kikuiti ne demande pas grand-chose. Kikuiti a besoin d'électricité. Tout simplement. Si vous amenez l'électricité à Kikuiti, vous donnez la route de Mongata. Donc vous avez relié les nord et les sud. Parce que la route de Mongata, c'est cette même route-là qui peut nous amener jusqu'à l'Équateur. Et vous réglez la question. Ça veut dire que, on ne dit pas que vous avez gratte-ciel, non, on dit simplement, faites quelque chose de bien. Construisez tout simplement des routes, côté Wana. Vous avez gagné la chose, vous avez réglé la question. Là, côté Bandundu, on dit un seul élément, ils ont beaucoup de problèmes, Bandundu. Ils ont un problème de route, ils ont un problème d'école, ils ont beaucoup de problèmes. Mais si on doit commencer un par un, la route va régler beaucoup de problèmes, avec tous les impacts possibles. Donc, on a gagné ce côté-là. Mais maintenant, parce que na côté à Kikuiti, toujours na Bandundu, barrage ya Kakobo, ils vont produire électricité, une grande électricité pour électrifier finalement toute cette partie du pays. Mais c'est fini. C'est comme on a vu à Zongo. Tout le monde est content. À Zongo, on a personne ne va dire Toliki de sécurité. Tout le monde veut de lui là-bas parce qu'après, ils vont au courant 50 ans, ils vont au courant. C'est des faits. Ce n'est pas des histoires, c'est des faits. 50 ans, ils vont au courant. Après, ils vont au courant. Donc, si on fait la même chose dans Kikuiti, on construit la route à Mongatawana. Mais la chose est réglée. Nous venons dans le Bandundu, pardon, dans le Congo central. Bandundu, Tolobi déjà. Congo central. Congo central, il y a un problème. Mingi Penzate. Le Congo central a un problème. Parce que le problème du Congo central, c'est le problème du pays en tout entier. Le Congo central, richesse n'a pas de maïnaï. Position géographique n'a pas de puissance n'a pas de Congo central. Ils ont le port. Le Congo central, c'est un peu comme Anvers. Bah, la grande richesse na bango, port na bango yangoana, le port en eau profonde. Il suffit qu'à kaba bandaba travaux et que bah rassurer bango que tant que travaux comme il a 60% tout 70% route rail Kinshasa, Brazza et Kosa Limaté. Nous privilégions d'abord le Congo central, route port en eau profonde. Mais c'est fini.
Parce que c'est ce que le Congo central attend. Le boulot de l'apport en eau profonde, ça peut créer des milliers d'emplois. Ça peut mettre beaucoup de gens égo casé bango. Parce que étant là-bas, l'effet d'entraînement est belé. Bon, port en eau profonde. Vous n'avez aucune idée de combien ça va déclencher Mbokanabiso, comment ça va le désenclaver, combien ça va construire cette ville-là. Parce que toutes les activités, au moins 80% d'activités, il y a Congo central, il y a lié à port, il y a lié à maï. Donc si nous mettons ensemble, nous mettons ensemble pour construire côté Wana, mais c'est fini. Donc le chef de l'État a toutes les occasions pour réussir. Et le financement pour la Bilokwana est Zali. Le financement pour notre port en eau profonde est Zali. Mais le problème, c'est que les hommes sont moins sérieux. Or, toutes les entreprises du monde ne sont pas aussi moins sérieuses que ça. Il y a des entreprises, une fois, donc, le Congo central, on a réussi. Je ne dis pas que c'est le seul problème. Ils en ont de l'électricité, en dehors de problèmes communs. Parce que le principe est le même. En dehors de tous les problèmes au pays, infrastructure, électricité, eau, mais il y a des cas spécifiques pour chaque province. Le Congo central n'a pas besoin de routes n'a même niveau dans la province Moussous. Comme le Congo, l'Équateur n'a pas besoin des ports comme le Congo central. Donc le besoin est là spécifique, mais le problème est là général. Donc on va dire ça comme ça. Alors, parce que le Congo central a été tué, lorsqu'on a commencé à faire des ports privés, on a détruit, et donc vous avez qui est on a déjà, il y a ports, vous avez qui est privé. Maintenant, il faut revenir sur la question. Fermer des ports privés ou les organiser autrement, mais en tout cas donner un accès à port en eau profonde. C'est fini. Et on réhabilite l'ONATRA, bien évidemment, pour le chemin de fer, pour l'évacuation. On aura réglé beaucoup de choses avec des effets d'entraînement. Ne sera-t-il pas voté au Congo central? Mais il le sera. Il le sera. Donc, le Congo central et le Bandundu, une fois que vous avez gagné le peuple né Congo. C'est fini. Ce problème-là est résolu. Donc, côté Congo, il y a Congo central, et fini. Bon, le bâté que Bandundu, il y a Moutoutel, ça, c'est la Bandundu, côté, comme nous à l'Équateur. Que personne ne dise que oh, j'ai l'Équateur avec moi. Non. L'Équateur est dans le noir, l'Équateur est dans la faim, ainsi de suite. Or, problème est l'Équateur. C'est aussi la même chose. L'électricité. Or, on nous a appris qui avait un projet, il y a Banque mondiale, avec une société qu'on appelait à l'époque Sadelmi, je vais me tromper, il y a Combo, Sadelmi, qui avait déjà mis en place à partir de Maluku, une ligne à haute tension, à partir déjà à Maluku. Et Banda Koleka, Ekei, Nabandundu, Elekina Inongo, ainsi de suite. Et à partir de Inongo, on avait même un transformateur déjà qui pouvait transporter le courant vers Mbandaka. Donc, Maluku, Kota Bandundu, Inongo, et puis, et comme l'Équateur, mais sous Kananzela. Donc, aujourd'hui, si Fachi dit aux Équatoriens, Naoki Bino Mingi, Boleli Mingi pour le Momba courant, surtout Bato Badana Bandaka, Boleli Mingi pour le Momba courant, nous allons travailler. En entendant, Bozo courant, il y a ligne à haute tension, mais toujours remplacer Bino groupe de Bassanina qui s'en gagne. Te remplacer les Bino groupes et te trouver un modèle économique qui est malonga, ou qui permettre Bino, bon, paye la, gata, ko paye la. Bato Balingi, l'otiliki. À l'Équateur, les gens veulent voir Bralima Wana et Zonga, ton nom est Bola Lima et Zonga, et Bralima fonctionner convenablement parce que, LG, tu peux me corriger, Bralima était une source de financement, pardon, d'emploi aussi. Ça employait des gens, cette usine-là. Parce qu'à l'époque, Nambandaka, Bralima, on va dire, Zakiwana, Masanga, Batoubane, Komele, Zakiwana, Kinte. C'était produit là-bas. Voyez-vous? Et il produit Kuna. Mais malheureusement, le lobby, on est Kanga. Donc, ça veut dire que les employés, il y a Bralima Bandaka, Babima. Or, ce qui est dans Bralima Bandaka, Tozana Bra Congo Bandaka, on a des boulangeries industrielles, on va dire, à niveau Bandaka, avec un peu d'énergie, courant à Malonga, c'est bon. Vous employez des gens, vous n'avez plus besoin de Magamebele, vous employez des gens. Et Batu Mbandaka, on a aujourd'hui, c'est un territoire qui n'a pas de maître, qui n'a pas de leadership, le leadership est dans la rue. Et on est en train de le récupérer d'une manière ou d'une autre. C'est le moment maintenant de dire comment fédérer l'esprit. Donc ce sont des choses simples. Vous gagnez.
Et ça ne va pas vous coûter 20 millions de dollars, ça ne vous coûtera pas 700 millions de dollars comme on entend. Ça va vous coûter juste un peu d'intelligence, beaucoup d'énergie, beaucoup de sérieux, un bon casting. L'affaire est réglée. Parce qu'à l'Équateur, tout ce dont on a besoin, il y a Nguana. À Mbandaka, il y a des gens qui quittent Mbandaka pour venir faire des examens. Il y a santé. Ah, on a Kinshasa. Parce que dans le laboratoire, il y a Mbandaka, ils sont non équipés ou ils ne sont pas suffisamment équipés. Donc, on peut déjà mettre un mécanisme en place pour équiper le laboratoire, voilà, de façon que quelqu'un ne vienne pas faire le test ici. Voyez-vous? C'est-à-dire que si vous faites des petites choses comme ça, l'Équateur, vous l'avez dans la poche. Électricité à l'Équateur, des routes à l'Équateur. Des routes à l'Équateur, il y en a tellement qui peuvent désengorger la ville, vous n'avez aucune idée. Un autre jour, je vais vous parler que de la province de l'Équateur. Bon, mon ami, Ezali. Alors, le deux qui vous, le premier problème, c'est la sécurité d'abord. Les gens veulent dormir et se réveiller en paix. C'est d'abord ce que les gens veulent. Les gens veulent que leurs enfants partent à l'école et qu'ils ne se fassent pas kidnapper. Les gens veulent que quand leurs femmes partent au champ, qu'elles rentrent en paix. Les gens veulent, quand ils creusent dans le sol, qu'ils trouvent la patate douce et pas une mine. Les gens veulent ça. Les gens veulent être en paix, en tranquillité. C'est ce que les gens veulent. Les gens veulent entendre dans les chants d'allégresse, pas les chants des tirs, pas les chants des balles. Les gens veulent être réveillés par le coq, pas par des bombes. Et c'est ce que les gens veulent. Les gens veulent vivre en paix. Les femmes veulent être côtoyées, courtisées. Les femmes veulent être draguées, mais pas violées. Elles veulent être respectées. Et c'est ce que les gens veulent. Et si on se met à trouver la formule exacte pour la paix à l'est de la République, ça peut toujours marcher. Vous avez par exemple dans le Nord Kivu, je ne sais pas si je dois le dire comme ça, mais je ne sais pas s'il y a des personnes avec un impact sur la société, comme des gens comme Mboussa Nyamou ici. C'est des questions à se poser. Est-ce qu'il y a des leaders qui sont incontestés comme ce monsieur-là? Je rassure que je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, il ne me connaît pas non plus. Ça, il faut déjà qu'on mette ça vraiment en gras. Le monsieur Boussa, je ne l'ai jamais vu des faces comme ça, je ne le connais pas, on ne se connaît pas. Mais je me pose juste la question, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent encore asseoir un leadership comme ça à l'est de la République? Quelqu'un qui peut avoir l'influence sur les Babembe, sur le Lendu, est-ce que c'est possible? Parce que dans cette partie du pays, et même dans l'autre partie d'ailleurs, dans le sud Kivu, il faut quand même le dire, là je parlais du nord Kivu, mais dans le sud Kivu, on peut voir encore. Dans le sud Kivu, il y a un problème de communauté. Il y a un problème avec les Babembe, il y a un problème avec les Bashi, il y a un problème avec les Barega, il y a un problème avec les Banyamuling. Ce sont des problèmes quand même. Comment on règle ce problème-là? Une fois que vous avez réglé ce problème-là, vous avez un semblant de paix. Déjà, c'est bon. Parce que les Banyamulenge se reconnaissent qu'il y a quelqu'un à Danabango déjà. Les Bash, ils se reconnaissent que, bon, ils sont les beaux-frères du président. Les Barega et les Babembe, qu'est-ce qu'ils ont? C'est la grande question qu'on se pose. Les Babembe et les Barega, qu'est-ce qu'ils ont? Parce que les Bash, ils sont tranquilles. Hein? Le chef de l'État, c'est leur beau-frère. Ils sont tranquilles. Mais alors, les Banyamulenge, qu'est-ce qu'ils ont? Ils vont dire que non, nous avons l'un de nous dans le gouvernement. Ok, bon maintenant, les Babembe, les Barega, ils font quoi? On fait comment avec eux? Qu'est-ce qu'ils ont, eux? Parce que dans cette partie-là, si vous vous intéressez beaucoup plus aux Babembe, les Barega sont fâchés. Si vous vous intéressez beaucoup plus aux Barega, les Banyamulenge se trouvent fâchés. Il faut donc trouver un équilibre. Mais je le dis sans être expert. Il faut vraiment le souligner. Je le dis sans être expert de la situation. Ce qui fait que mon analyse peut être fausse, totalement fausse. Je reconnais que mon analyse peut être fausse sur la question. Et je le dis vraiment dans toute innocence. Celui qui a d'autres idées peut toujours me le donner. Mais je pense que ce côté-là, il faut vraiment véritablement voir. Il faut parler avec des notabilités qui ne sont pas impliquées dans ces bêtises-là. Discuter avec eux pour trouver la voie du moyen et en régler le problème. Voilà. Donc, le Kivu, c'est comme ça. Et puis, il y a des personnalités quand même qu'il faut intéresser là-bas. Mboussa Nyamusi, vous n'allez pas tourner le dos à Mboussa Nyamusi. Vital Kamerhe, d'une manière ou d'une autre, vous n'allez pas quand même lui tourner le dos. Comment ça va se passer? Comment ça va se régler là-bas? Mais le problème de l'Est, de façon générale, ce problème-là, en dehors de problèmes que tout le monde connaît, hein, les routes, l'électricité, ça, ce sont des problèmes du Congo tout entier. Mais des problèmes spécifiques. Le besoin de la sécurité
que les Kivusiens éprouvent, on n'en a pas, toi, on est monté. Mais Kinshasa, vous sortez, vous rentrez, il n'y a pas de problème. Si vous rencontrez quelqu'un, bon, ça va, vous pouvez toujours vous débrouiller. Mais de l'autre côté, non, ce n'est pas le cas. On part, on sort le matin, mais on ne sait pas si on rentrera le soir. Donc, c'est comme ça. Mais maintenant, le Katanga, en tout cas, moi je partage le point de vue, le Katanga va être divisé, c'est sûr. Le Katanga sera divisé. Pour les chefs de l'État, le Katanga sera divisé. Divisé comment? Pas divisé dans le sens de la balkanisation, hein. Divisé dans le sens, il y a ma voix. Il y a trois parties. Une partie, il y a Baluba, au Bazana, Nanini, na Kasai. Ces gens, naturellement, parce que le vote est tribal, hein, vous en faites, faut pas faire semblant. Le vote est tribal, le vote est encore tribal, le vote au Congo n'est pas encore idéologique. Le vote est encore tribal. Donc, ce qui fait que le chef de l'État, ça aide, les résultats des élections nous ont même prouvé, il a été élu dans le Kasaï à pratiquement plus de 90%. D'accord? Donc, la majorité des Louba qui sont dans le Kasaï peuvent élire pour le président de la République, naturellement. Je dis naturellement. Mais maintenant, il y aura des implications. Il y aura des implications, beaucoup d'implications. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Alors, il faut étudier le besoin du Katanga. Quels sont les véritables besoins du Katanga? Est-ce des routes? Est-ce la gouvernance? Est-ce la scolarité? Quels sont les véritables besoins? Est-ce le social? On étudie ces dossiers, ces problèmes-là, on arrive à les résoudre. Même si on résout 1 sur 3, ça prouve déjà que c'est un peu quelque chose de bien. Mais dans les Katanga, il faut faire ça comme ça. Et donc, après Kambo, Salsi, Biloko, on a tout, vous avez maintenant une idée de 2023, comment ça va se passer. Parce que si vous commencez les travaux avec un nouveau gouvernement, au moins au mois de juin, avec l'idée que le mois de juin 2023, que Bossal a déjà 50%, il y a travaux, vous êtes élu, réélu sans difficulté, sans tricherie. Parce que les gens ont besoin. Alors, monsieur le président, ceux qui ont cotiqué dans la logique, il y a communauté telle que comme Mayo, aïe, ceux qui ont parti, monsieur le président, monsieur le président, il y a Kosayo. Bah, parti, on a eu Kawana, non, bah, Kosa. Aucun parti ne pourra vous faire élire, monsieur le président, même pas l'UDPS. Aucun parti ne pourra vous faire élire. Ceux qui vont vous faire élire, ou ce qui vous fera élire, c'est la réalisation de vos promesses. Et que ça là qui bat tout bas élire et que ça là ceux qui battent l'Équateur basu courant, ceux qui battent Bandundu basu Nzela, ceux qui battent Kivu basu Kimia, ceux qui battent Kisasa basu Lotili Kinamai basu Bilokakolia, je vous assure monsieur le président que vous allez élu et peut-être plus que possible. C'est ça le problème aujourd'hui. Bilokakolia ouais parti politique le mec qui a gouverné président baloba mingi mais là comment on peut ça les mater. C'est le moment maintenant de se retourner vers ce peuple-là et de lui donner ce que le peuple veut. Mais pour que ça marche, il faut un casting qui réussit. Remaniement du gouvernement, remplacement des bonnes personnes, redynamisation du cabinet, et puis voilà, d'autres orientations. Voilà un peu, mesdames et messieurs, entre-temps, bonne fête de l'alternance, bonne méditation de l'alternance à tous les Congolais qui sont ici et ailleurs. Si vous êtes d'accord avec moi, faites-moi un message. Si vous n'êtes pas d'accord dans un point où on a lobby, ne vous sentez pas gêné. Naïbi n'y a sauté. Nana va défaut nanga. Tindé nanga message na yo, ba kise nanga un plus na yo. Ne dites pas que Bosembe aibi, nga naïbi n'y a sauté. J'apprends. J'apprends en tout cas. Celui qui pense qu'il a une autre information, qui pense qu'il peut connaître mieux que moi dans un domaine quelconque, nga na zana ka vitrine. Bocha maïle na kati, tope sa ngona ba tout ba yeba. C'est tout simplement ça. C'est dans un intérêt de construire le pays, pas de le diviser, pas de le détruire. Que la peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse les RDC. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums du corps. Contactez-nous au plus 33 78 30 57 14 et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout Congolais, unis par le sang. Unis dans le fort pour l'indépendance, unis aux hommes.
Congo.